Énormément de plaisir. Et là, 1, 2, 3. Merci. Que du bonheur. Avec Yann, on commençait à trouver un peu le temps long. Est-ce que ça a été difficile? On a eu une avarie même assez sérieuse pendant la course. On a déchiré notre grand spi. Et donc on s'est retrouvé dans du tout petit temps à tirer des bords toute la journée, et le temps était assez long, on a pas mal discuté finalement, mais que du bonheur d'arriver là, c'est extraordinaire pour Yann et pour moi. Quatrième victoire, c'est fabuleux. Et puis c'est vrai que c'est la fin d'un cycle un peu douloureux pour moi, un chavirage, une perte de quilles sur le Vendée. Bon, je me suis fait un peu larguer sur les premiers jours de course, ça a été compliqué. Donc là, voilà, ça y est, les choses positives reviennent, et cette Transat, on a bien bossé avec Yann toute l'année, on est fiers du travail réalisé, et le résultat est beau, je pense, et nous fait plaisir en tout cas. Moi, je suis fier du trait qu'on a fait. J'ai regardé la cartographie et je trouve qu'on a fait une belle trace qui est propre, qui est courbe parfois et parfois rectiligne. Et c'est surtout ça dont je suis le plus fier. C'est qu'on a fait une belle trace. Et Paul Meya, dans une petite interview cette nuit, l'a reconnu. Il a dit qu'on avait fait sans doute la plus belle trajectoire. Et venant d'eux, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment des cadors dans ce secteur de jeu. Et puis surtout, on a disposé d'une machine incroyable qu'on a cravaché, mais comme jamais, à deux reprises en tout début de course, ce qui nous a permis de faire la différence. Quelque part, un peu de montrer nos muscles aussi aux autres en leur disant, vous voyez, nous là, on est parti le couteau entre les dents, et s'il faut monter au front, on ira, quoi, il n'y a pas de problème. Après, quand ce sera plus fin, on verra effectivement si on est capable d'être un peu plus fin, mais par contre, si c'est le combat, ça, on sera capable d'y aller tous les deux. Et donc voilà, dès le passage de front, le troisième jour, on a fait la différence. C'est là qu'on a tapé dedans, là où les autres n'ont pas osé y aller. Ça, c'est Jean-Pierre qui a donné le tempo parce qu'il savait que sa machine était capable d'encaisser ce qu'on lui a fait subir.